de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes que le ministère de la Jeunesse et des Sports soutient les initiatives des jeunes porteurs de projets. Dans ce cadre, des chèques sont remis aux 44 bénéficiaires de financement du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des appuis élites jeunes. Le montant global est de 31 millions de francs CFA. Cet appui financier est la résultante du programme phare de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie. Le premier programme a pour objectif de soutenir l'insertion socio-économique des jeunes et le second vise à accorder plus de chances aux jeunes sportifs talentueux. Il n'est un secret pour personne que l'entrepreneuriat contribue indubitablement à la création de la richesse et des emplois, ainsi qu'à bâtir des économies robustes et fortes, profitables à toutes les couches sociales. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction et expriment leur reconnaissance aux plus hautes autorités. Nous remercions tout d'abord au premier jeune entrepreneur et sportif, combattant de lutte contre la pauvreté en milieu de jeunes, en cette période de la pandémie COVID-19, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui fait de la jeunesse une jeunesse combattante dans cette lutte contre la pandémie de l'air qui décime la population mondiale, dont le Tchad. Les récipiendaires sont issus de 8 provinces. Il s'agit de la province de Wadi Fira, du Guéra, de Delogon, du Chari Bagrimi, de Hadjar Lamine, de Mayo Kébi Est et de Niamena.